Après 6 mois d'absence, j'ai décidé de reprendre les vidéos en main, de vous faire du contenu, du vrai contenu. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo après 6 mois d'absence. Un nouveau tuto, un nouveau tutoriel de la fin de frappe. Mais pas une fin de frappe que tout le monde sait faire, c'est une fin de frappe cancel. C'est-à-dire la tendance à éliminer le joueur. Le joueur, il va tomber. Avant toute chose, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à activer la petite cloche de notification, ça fait énormément plaisir. Et les gars, attaquons cette vidéo. Allez, c'est parti. Alors les gars, dans un premier temps, nous allons voir comment faire cette fin de frappe cancel qui va faire tomber le joueur. Et dans un second temps, nous allons voir comment cette fin va-t-elle se créer. Pourquoi cette fin est-elle cheatée. Et nous allons analyser pourquoi le joueur va tomber par terre. Comment faire la fin cancel. Vous allez devoir vous arrêter. Pour vous arrêter, vous avez deux solutions. Soit faire la fin de frappe sans toucher le joystick. Soit tapoter deux fois de suite sur le joystick. Après avoir arrêté la balle, vous allez faire un tir. Mais rapidement, vous allez faire une fin de frappe. C'est-à-dire que vous allez appuyer sur le tir et rapidement fin de frappe. Il faut être très très rapide. Il faut avoir bien évidemment de l'espace pour faire cette fin de frappe. Et il faut être rapide parce que appuyer sur le bouton tir et rapidement sur le bouton fin de frappe, c'est vraiment pas facile du tout à faire en match. Donc je récapitule. Tout d'abord, vous devez vous arrêter soit en faisant une fin de frappe sans toucher le joystick, soit en tapotant deux fois de suite sur le joystick. Après ceci, vous allez appuyer rapidement sur le bouton tir et faire une fin de frappe. Merci d'avoir vu cette vidéo. Donc si vous avez n'importe quelle question à poser, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Et bien sûr, à vous abonner, à liker comme d'habitude pour me soutenir et pour que je revienne en force. Allez, peace, ciao.